Oh putain. Putain, Ah mais c'est c'est toi le toi que je connard dois qui m'a chercher, planté tout sale à l'heure. connard! Espèce de merde! T'arrives à conduire ça? Attends, ça veut dire quoi ça là? Tu continues? Non mais parce que moi j'ai peur de conduire une moto, ça n'a rien à voir. Ah, même moi j'ai eu un peu de peur sur la route là, franchement. Ah mais non, tranquille. Oh, ça va ou quoi? Oh là 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 là, tu t'es mis en tenue street là, qu'est-ce qui se passe? T'as plus de costard? Bah ouais, j'ai dû me changer, j'avais du business à faire, du coup. Ça me va là. Quoi? On dirait un mec street un peu, non? Écoute, moi la rue ça me connaît, je suis un des plus gros bonnets de cette ville. Ouais. Et avec moi tu peux Là, tout apprendre. je passe inaperçu là, non? Là, tu passes crème, là, tu passes inaperçu, t'es bien, petit Air Max, tout ça. T'as un bon petit flow, tu me plais bien, putain. Monte tes couilles. Non, 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 Ok, bah. frère, on y va. On y va, vas-y. T'es où? Wouhou! T'es sûr que tu vas réussir à conduire? Je T'inquiète te juge pas. pas, on est tous différents, t'as vu, mais. Mais quoi? Bah rien, mais. Écoute-moi bien, Abdel. On va y Je arriver. m'appelle pas Abdel, Tu t'appelles comment? vas-y. Je m'appelle John. John comment? Flop! Ah, c'est toi, John Flop. Flop! Putain, c'est vrai. C'est pas John? Comment ça, John Flop? Ah, bah toute la ville t'appelle John Flop. Ah non, y a que Ricky qui m'appelle John C'est Flop. vrai, c'est vrai! Ah, t'es fort, connard! Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Dodi. Putain. Donny. Dobby? Non, Fils de pute! Mais Donny! toi, t'as dit ça. Putain. Ah bah tu m'appelles John Flop, je t'appelle Dobby alors. Non, c'est bon. Ah c'est donnant, donnant. Donny, encore un jeu de mots? Non, De quoi Donny? Non. Ah, ok, John Locke. Tu travailles avec Ricky, c'est ça? Ouais, putain, on nous appelle On Ricky peut et dire que Morty. t'es Rikiki? Non c'est bon, vas-y avance, 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 c'est bon, c'est de l'humour. Elle était pas mal en plus. 2 secondes, je reviens vraiment, juste 2 secondes. Ok. J'en ai marre de me faire fanner! Je peux y aller. Vas-y. Eh, je dois faire le mec bresson, ok? Parce que je dois me faire Vas-y, vas-y. respecter. Du coup, tu vas Tu veux faire que le je mec fasse le qui. mec Ouais, qui a peur de toi? Vas-y, vas-y, s'il je te vais plaît, t'arranger, vas-y. vas-y, je t'arrange. Je te dépose maintenant, fils de pute. Allez, C'est descends. bon, c'est bon. C'est bon, je Vas-y, descends, y là, a pas il y de a le grand problème. Ricky. Tu vas monter et tu vas lui parler. Ça va aller, Denis. C'est bon. On sort du perso. C'est bon. Non, Parfait, non, c'est non, bon. je suis comme ça. Ok, Mais très non, bien. il en a sous le capot, hein. Ouais, il en a sous le capot. Viens, suis-moi, John. Allez. Ouais, voilà. Je me suis mis en accord avec les gangsters qui doivent faire un peu de rap, la pla pla, etc. Ouais. C'est des familles. Je sais pas si tu les as déjà croisés. Ils sont en vert. Ah, peut-être, je suis passé devant chez eux tout à l'heure. Il y a 2 petits qui se débrouillent pas mal en question de rap, etc., etc. Pour être Ok. intéressant. Et du coup, j'ai concocté la meilleure scène. Parce Ok. qu'on ne veut que le meilleur. Celle que tu vois en Ok, face de moi. toi. Ok. Ah, la piscine là? Celle qui est en face de toi, tu la vois la scène. Et là, tu vas la voir de Celle. plus près. Ok, Emmène-moi. ok. Eh, j'ai préparé quelque chose aussi. Je me T'as suis dit préparé qu'en quelque con chose? en concert, les gens aiment bien s'amuser. Il m'a dit qu'ils aimaient Ouais. bien le sexe, la drogue, mais Ah bon, oui. ça, je m'y Ah connais oui. pas. Ouais. Mais ils aiment bien aussi l'alcool, bien Ah oui. évidemment. Ah oui. Bien sûr. Et j'ai un contact pour nous faire livrer l'alcool pour tous les concerts. C'est parfait. Avec un prix au rabais. Du coup, tu me diras de ce que t'as besoin et moi, je te rapporterai la Leur prix, marchandise. c'est le mien. Fais en sorte de négocier au mieux, c'est tout. Pour éviter de Ouais, bien payer sûr, trop bien sûr. cher. Bien sûr. Tu me demanderas, ils ont tout, champagne, vodka, whisky, bière. Ils en ont tout. Parfait. Alors fais en sorte de les contacter demain, directement au petit matin, ou à la limite, tu fais en sorte de leur envoyer un message maintenant, comme ça ils préparent Ok, les stocks, je m'en ok? occupe alors. Ben, faudra que tu m'envoies une liste des stocks que tu voudras pour la. Oh là 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 là. Voler pendant que d'autres ils sont en train de draper à côté, tu vois. Ouais, exactement, exactement. Il faudra Tu me mettre un suis ou bar ici pas? aussi. Ouais, je suis Hey, là-dessus. t'inquiète pas. Il y aura 2-3 filles qui seront un peu dénudées, qui feront en sorte de servir la bière, un peu aux hommes chauds, tu comprends? Ok. Directement là, tu pourras mettre tes artistes. Il y a les coulisses qui sont juste derrière. Il y a Ok. moyen de faire un vrai concert. Un vrai Ok. truc, tu comprends? Moi j'aurais une artiste que j'ai pas pu te présenter, elle s'appelle Sacha, mais je la présenterai demain si tu vas avant le concert. Sacha, très bien, parfait. Est-ce qu'on pourra faire Et. passer Kazo ou pas? Pour qu'il soit. Non! 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 T'es Non! Je demande, convaincu je que demande. c'est. Non! Est-ce Non! que t'es convaincu que ce gars va réussir à faire ramener du monde? Ou est-ce qu'il va le faire Bah. fuir? Réfléchis 2 minutes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je peux lui faire poser un autre son d'ici là. On va travailler sur ses lacunes.
Très bien. Alors, quoi, il sera efficace à ce moment-là, on De toute essaiera de façon, voir. je le ferai pas passer sur scène si j'ai pas confiance en lui, t'inquiète. Ah, On est bien tu me fais d'accord. confiance. Ah, bien Mais sûr, je bien te fais sûr. confiance sur ça. Ce sera ton test. Si je vois que tu réussis ça, on fera plus gros. Et encore plus. Et encore. Ok. Ça te va? Ça me va. Ça te va? Très bien. Oui, ça me va, monsieur Denis. Ok. T'es sûr que ça va donner? Ouais. Tiens, mon petit celui-là. Oui, on verra bien, oui. Ouais. Tu peux sortir, Denis. Eh Sortir. oh! Denis! Quoi? Oui, fais sortir le Denis Roquet dans la tête. Ah, mais je suis naturel là. Hey. C'est mon petit Très celui-là. bien. C'est un bon petit celui-là. C'est un bon petit. Ouais, c'est un bon petit. Un bon petit, Hey. hein. Ok, très bien. Parfait. Du Ah. coup, je suppose que vous êtes excusé par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, etc., etc. Je suppose, c'est bon. Ouais, bien C'est sûr, bien sûr, bien excusé, sûr. ouais. Ok. Plus de lames, hein, Denis. Terminé, ok. On fout pas les gens à l'hôpital, ok. Et encore moins leur futur qui vont travailler avec nous. Tu comprends? Très bien, Denis. Demain, fais en sorte que tout soit prêt, ok. Je te laisse gérer. Ok, Je te passe le numéro de la personne des Familiz. Ok, Tu très lui dis bien. que tu viens de. Ricky, comme d'hab. Exactement. 1069. Tu le contactes. Tu lui dis comme quoi il y avait des artistes à voir. Tu vas les voir dans le quartier. Tu les fais chanter vite fait une petite démo. Et après tu Ok. leur dis que ce soir ils doivent faire une démo devant la ville. Ok, ils Je sont là m'occupe tout. directement des journalistes de mon côté. Comme ça, moi, ça t'enlèvera un travail à faire. Ça te va? Ok. Oublie pas de m'envoyer le stock d'alcool qu'il faudra pour demain et j'irai me. Tu prends 20 Me chacs. fournir. Ça devrait Ok. suffire. 20 chacs, ok, parfait. Ouais. C'est bon. Tu veux que je te trouve une Parfait. serveuse aussi? Je peux peut-être te trouver une serveuse pour demain. Toi, tu m'intéresses. Trouve-moi des serveuses. Ouais, ça peut être intéressant. Je peux Ça t'en me fera trouver perdre moins de temps. une garantie, les autres, je sais pas. Mais t'en Alors, auras une prends celle-là garantie. déjà. Ce sera déjà pas mal. Ok. Ce sera déjà un bon début. Rendez-vous à quelle heure? On se dit 10h30. Comme Ok. ça, t'auras le temps de t'installer. Parfait, parfait. 10h30 Parfait. pour débrief, etc. Et le début du concert dans le Exactement. 3. C'est parfait. On fait comme ça. Parfait. Excellent. Allez! C'est bon, Denis? On y va. Denis, Allez, on y on va. a deux chats à baiser. Ouais! Let's go! Ramène-toi! Yay! Hey Denis, je me suis toujours demandé une question. Wouhou! Ouais? T'es au-dessus ou en dessous? Quoi? Bah, tu sais, t'es au-dessus ou en dessous? Comment tu gères? Ah. Non, je peux tout faire. Je peux tout faire, je peux tout faire. Et du coup, tu vois souvent le torse, du coup, et le dos, c'est ça? Écoute, le plus important, c'est que je finisse toujours dans les seins. Putain, cette affaire. Ouais, Et bref. ouais. Ah ouais, Denis, c'est. je l'adore. Ah putain. Là. T'as rencontré du monde, sinon en ville? Ouais, ça avance, hein. Bah, comme je t'ai dit, là, j'ai mon fournisseur d'alcool personnel. Je le vends à des C'est gens parfait. richissimes de la ville. Et Ok. si en plus je peux le vendre pour les concerts, etc., bah, c'est parfait parce que je vais avoir un prix au rabais. Parfait. Continue à te faire des contacts, c'est très important d'en avoir dans cette ville. Et le principal, c'est d'avoir les bases de contact assez remplies. Ouais, bien sûr, bien Hein, sûr. Denis? Ouais, les contacts, c'est Denis, tu connais beaucoup de important! monde, toi? Ouais, moi je connais pas mal de monde, ouais. Ah ouais? Ouais. Vient d'arriver. Ah ouais, merde, je viens d'arriver. Hey! Hey, dis-moi. Parfait, impeccable. Tout a été livré, t'es sûr? N'oublie pas les photos, n'oublie pas les photos. T'es là depuis combien de temps, toi? Bah, pas longtemps. Ça te plaît la ville? Ouais, ça va, bah, je suis là pour l'hôpital en fait. Pourquoi l'hôpital? En fait, dans ma ville, je suis un peu campagnard. Je pense que ça se voit à mon look quand j'ai essayé de me mettre un peu en mode street. Tout le monde m'a dit que c'était un peu bizarre, quoi. On m'a même dit qu'on dirait un policier qui a fait semblant de se cacher. Bref, dans l'hôpital de la campagne, il n'y avait pas les appareils nécessaires pour me tester. Crois t'es malade? Pour tester ma maladie. Ouais, j'ai une petite maladie. Et elle est Franchement, ça grave? va. Non, c'est petit. Un peu. Non. Écarte-toi, écarte-toi, Ricky! Waouh! Il est malade! Non, je dirais. Il est contagieux, ce fils de Non, pute! mais non. C'est pas Oh, on se contagieux, c'est casse, pas on se casse, on se contagieux. casse! Il est mal... il est Alors, chez, contagieux! il avait une sorte d'MST Ricky, il est Ouais, tout viens, on se rouge, il a plus casse! la peau. Viens, on se casse, viens, on se casse! Ricky, c'est pour Hey! un contact, une dernière chose. Hey, je t'écoute. Est-ce que tu connaîtrais un vendeur de cocaïne? Quoi?
Pourquoi tu veux de la coke? Disons que... je peux pas t'expliquer pourquoi. Ok, si, tu vas m'expliquer pourquoi tu veux de la coke. Ok, bah c'est juste pour... j'ai des gens qui en veulent. Moi, c'est pas pour moi, bien sûr, tu sais, je suis malade. Je peux pas me permettre de prendre la drogue, mais... J'ai pas de contact ici, j'ai besoin de savoir... Vu que je sais que dans le milieu de la musique et tout, il y a beaucoup de drogues qui tournent, etc. Je me suis dit que peut-être t'aurais eu un contact. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut m'en acheter, du coup, voilà. Qui veut t'en acheter? Du coup, tu veux essayer de vendre de la coke? Non, pas vraiment, c'est pas vraiment ça. Moi, je ferai jamais ça, j'ai jamais fait ce genre de truc. Ouais, c'est j'espère bien, ouais. Je veux faire l'intermédiaire, c'est tout. Et prendre un pourcentage. Donc, tu veux vendre de la coke? Dans d'autres termes. Utilise des termes corrects. Oui, ok, ok. Je veux refiler de la cocaïne à un seul client, une seule fois. J'ai peut-être un contact, mais pas sûr. Mais par contre, t'avises plus de demander ce genre de truc, ok? Ça peut vite tourner au vinaigre si ça tombe sur les mauvaises oreilles, tu comprends? Il y a que des balances ici. Ok, ok. On verra ça. Mais moi aussi, je vais vendre de la coke. Il va pas vendre de la coke. C'est un... vendeur de rêves, il vend des concerts pour l'instant. Ouais. C'est rien d'autre. Hein, Denis? On vend du vent. Okay, okay. Tu vas vendre quoi, toi, exactement, Denis? Hein? Moi? Tu vas vendre quoi, à part ta putain de ta... Oh, vas-y, bon, allez. On doit retourner dans notre putain de penthouse. On a baisé, là, ce soir. On se tient au courant, dans tous les cas. Ouais, okay. bien sûr. Il y a un moyen de locomotion pour moi? Attends ce que j'appelle. Attends deux secondes que je réfléchis. Est-ce qu'il y a moyen de locomotion pour lui, Denis? Denis, il y a moyen de locomotion ou pas? Attends, je vais te dire ça. Merde, je crois qu'il a voulu faire une blague. Merde, t'as allé trop vite. Vas-y, casse-toi. Eh bien, allons-y. Il y a moyen de locomotion, ouais. Eh ouais, il en a un. Il a deux pieds, non? Ouais, il a deux pieds, deux jambes. Tu braques, tu niques ta mère. Golf Pat. BMW le pied. Il a voilà. Congolisé ses putains de taxis en plus. Il est malade ou quoi, lui? Il est complètement baisé, ouais. Il est fou, quoi. T'imagines s'il est encore en train de nous attendre? C'est un plaisir en tout cas de te trouver, Dani. Ça me fait plaisir. Moi en fait. Aussi, mon Ricky, mais il faut que... Oui. Au début, je redoutais, je t'ai dit, mais finalement. C'est un plaisir. T'inquiète pas, Ricky, mon pote. T'as les clés du penthouse, oublie pas. Hein. Ouais, je les ai, je sais que je peux aller dormir là-bas. Ok, parfait. À demain, Dani. Attends, Ricky, j'ai une dernière question. Ouais, dis-moi. T'as pas une arme? Va te faire foutre, Dani. Quoi? C'est toi qui gueule là? Oh, une poucave! Quoi? C'est ma watch! Hey, qu'est-ce que tu fais? Oh, San! C'était un biker! Poucave de merde! Lève les mains. Mais quoi? Écoute, jamais, y a 5 000 $ sur ta tête, la vie de ma mère lui avait les plantes des 5 000 $. Lève les mains, le manou. Perfecto, mets-toi contre le lambal derrière toi, là. Oh, mais pourquoi? 5 000 $, la vie de ma mère lui avait les plantes. Oh, ok, oh, il avait tout fouillé. Mais si je peux t'apporter plus, Dis-moi, qu'est-ce que tu peux m'apporter alors? 10 000 $. Est-ce que tu les as sur toi là tout de suite? Non, à la banque. Ok, le gars, tu vas monter sur la moto. Ok. Et il vais monter derrière toi et il vais te blaquer, c'est bon? Ok. Allez, monte sur la moto là. En plus, elle est belle la bécane quand même. T'aimes bien? Si, claro, allez, venga. Attends, c'est par où déjà? Il y a un distributeur à la droite là si tu veux. Oh. Non, je crois. Ma banque c'est celle-là au parking central. Ah, ok, continue tout au long. Mais saute pas le pont s'il te plaît, Almano. Dans la vie. Ah oh merde. Mais tu sais pas conduire. Ma mère. Oh.
putain, désolé. Et je t'ai dit de pas continuer tout au long. Mais non, fallait qu'on le fasse, putain. Okay, j'ai fait demi-tour d'un coup à cause de toi et on est tombé. Mais attends, mais du coup tu vas vraiment sauter là? Mais oui, wesh. Mais la vie de ma mère, t'es fou ou quoi? Héros des putains. Écoute jamais la vie de ma mère, maintenant t'es vraiment dans la merde, le nain. J'espère pour toi que tu coules vite. Il y avait deux baisers. Vite ma mère. Faut qu'on aille chercher la moto, elle est en haut. Oui, cloue-le qu'on va aller chercher la moto, il y avait surtout te plaindre sur mon dos. Allez, bengala, benga. Tu veux mon bengala? Bah t'es à le foutre. Mais pourquoi tu me parles de bengala? Non, benga. Oh, pas beaucoup. Oh, écoute jamais, vas-y, va contre le mule. Et je vais te fouiller la vie de ma mère. J'ai trop mal, pas me lever. Ok. Pourquoi t'as volé la moto, Elmano? Volé la moto? Si, le mec là, le Nash, il a dit 5000 dollars à celui qui récupère le Nash. Il a appelé la police, j'avais un de lui, il a appelé la police, c'est une poucave. Je suis pas un poyos, moi, Elmano. Non, mais lui, il a appelé la police quand j'avais rendez-vous avec lui. Les bikers, c'est des poucaves. Logan, est-ce que t'es chaud? Il lui dit qu'on t'a capturé. Et on le baisse une fois qu'il vient. Oh, vas-y. Okay, c'est des poucaves, ils appellent les keufs, on le baise et on lui prend quoi? Viens. On va essayer d'aller sur le petit parking là, viens. Vas-y. Oh, à gauche. Ah, maintenant que tu as dit ce plan, ça va mieux. Ah, à la vie de ma mère, ça va mieux moi aussi. Ah ouais, ça va mieux moi aussi. Logan, on va chercher la moto, on la met en plein milieu du parking et dès qu'ils viennent, on le baise. Let's go! Vas-y, viens. Allez, cours maintenant, cours! Mais t'as quel âge toi? 25 ans. Et pourquoi t'es resté aussi petit comme ça, le Mano? Oh, ne commence pas, s'il te plaît, mon pote. Je suis petit parce que la vie m'a eu. Ma vie m'a eu et mais malheureusement, je suis malheureux. Si, Clalo. Il faut endurer et malgré ça, je suis plus grand que vous tous. Si, c'est vrai, le Mano. T'as 25 ans, du coup, c'est vrai. T'es plus grand que ceux qui ont ton âge en dessous, quoi. Parce que moi, je suis plus grand que toi, là. T'as quel âge? Il y a longtemps, Elmano. Mais c'est qui, Elmano? C'est quoi, ça? Eh, laisse tomber, vas-y. Vas-y, monte, parce que toi, il te laisse pas conduire, là. T'es dangereux. Let's go! T'as la tête dans le cul, là. Bon, on fait ce plan. On va choper le biker et on nique tout. Vas-y, Clalo, Logan, on met la moto là. Il l'appelle, il dit que jeter, c'est bon? Vas-y. On le fout à poil, on prend ce qu'il a sur lui. Me baisse pas, hein, sinon j'appelle Ricky, moi. Non, la vie de ma mère, je te baisse pas, c'est bon. Ok. C'est lui, le nain. Il parle à qui, le nain? Salut, le nain, vite récup. Oh les gars, touchez pas, nain. Toi, il te plaint en otage. C'est bon. Jamais, vous aimez tous les tolas, levez les mains là. C'est bon, c'est pas un jouet, c'est bon, on lève les mains. Levez vos mains, toi, passe pas derrière moi. Je t'avais dit, Nash, hein. Je te l'avais dit. Oh, le nain, lève-toi, le nain. Toi, là, avec ta veste de biker, lève tes mains aussi, C'est quoi, John Wick, là? Ça va arriver, hein, je te dis, hein, ça va arriver, il y a 4-5 mecs qui vont arriver. C'est bon. Ok, c'est qui, le Nash, là? C'est moi. Ok, toi, tu viens vers moi, Nash. Voilà. T'as les 5K ou pas? Ah, c'est mon collègue qui les a. C'est qui les a, les 5K? Le chauve, là. C'est ok, le chauve, tu me donnes les 5K. Tu fais quoi, ça, le nain, là? Ta gueule. Mes pneus, Est-ce que vous êtes armé? Y'a des mecs qui vont arriver. Et est-ce eux, que ils sont vous armés. Êtes armé? Non. Ok, vous allez vous mettre contre la coachée, là, les 4. Ok. Voilà. Bon, le nain, tu veux leur dire quoi, là? Rien, c'est je toi. Que je vais te retrouver, hein. C'est toi, tu m'as dit que tu voulais les vider.
Et bah là, vite ma mère, le gars. Toi, tu t'occupes des deux là, il m'occupe des deux là, c'est bon? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Fais quoi, toi? Tu m'entends? Ouais. Tu veux quoi, petit? Non! Ah, ça c'est vraiment con, la vie de ma mère. Oh là, là, la vie de ma mère. Non, ça va, ça va, ça va. Non, 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 ah, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais plus, c'est plus, c'est plus. Si je te bouffe le mec, tu m'en veux plus. Oh, la vie de ma mère, maintenant, Léna, c'est ton problème. Allez. Allez, tu lèves les mains. Lève les mains, lève les mains. Allez, lève les mains maintenant, lève les mains. Vas-y. Putain de bacon. Non, 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 non. Alors attends. J'essaie de noter les gens. Il veut fouiller, attends. Regardez, on dirait trop John Wick mélangé avec des mélanges gardiens. Non, 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 prends pas tout, prends pas tout, prends pas tout. Non, je prends pas tout, t'es fou, il a énormément, je prends pas tout. Ok, j'ai eu peur. Quoi? Je crois que c'est plus baisé le nain. Attends, comment je fais? Je crois. Il est debout là. Range ton couteau. Alors Doliprane. Donne-le-moi ton nain. Mais c'est lui qui vous a pris la moto. Donne le couteau. Mais c'est lui qui vous a pris la moto. Garde-le en joue, Hondo. Ouais, t'inquiète. Tu m'entends? C'est quoi son nom à l'autre? Vous êtes dans la merde, vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans la merde. T'es sûr? Oui, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans une merde noire. Noir, noir. Noir, 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 noir. Vous connaissez Ricky? Non. Eh bah vous allez le connaître, bande de fils de pute. Bah tu vas nous apprendre à le connaître. Eh bah vous allez le connaître. Le petit nain, t'es pas assez petit pour... C'est pas mon argent, vous êtes dans la merde. Vas-y, il est là le nain. C'est quoi? Range ton couteau, donne-le-moi ton couteau. Tu me fais peur avec le couteau, toi, le nain. Ok, mais y'a pas. On dirait un sociopathe. Un Pablo, le... ça y est, un Pablo. T'as pas de l'eau, je vais m'évanouir. Ah là, ça me sert. Oh là là. Il a plein de l'eau. Allez, tonton. Putain. Fais-moi un garrot. J'appuie sur l'appli. Bon, je vais prendre le couteau. Tonton, ça va ou quoi? J'appuie sur un pli. Attends, je t'ai fait un garrot. Faut appeler les EMS. Fallait pas le faire, putain, tonton. Qu'est-ce que t'as fait? Attendez, apparemment, y'a d'autres mecs qui veulent niquer le nain. Il m'a mis. Tiens, bouge pas, allonge-toi. J'ai fait un garrot. C'est vraiment un petit coup de merde. Attends, je prends son pouls. Fallait pas le faire. Oh putain. Lève-moi. Oh, le cure-dent, il m'a fait un croche-patte. Lève-moi. Merde. Ah, le cure-dent. Descends, je vais t'allumer, descends. Ah. Wesh. Aïe. Descends dehors. Ah. Wesh. Attends, elle finit ma merde. Ah. Arrêtez-vous! C'est un PNJ? Arrêtez-vous! Hé, hey, monte! Pourquoi monte! Viens avec moi! Si tu veux me prouver que t'es pas une pouka, fais demi-tour. Tu vas m'aider. Mets-moi la pause? Fais demi-tour, t'inquiète, je te dis le chemin. T'as une arme sur toi? Non, je suis pas armé, moi, jamais. Putain, mais. J'ai juste une batte, c'est tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu veux? Là, dis-moi ce que tu veux, bordel! Mais y'a des mecs là, ils viennent de me voler tout ce que j'ai sur moi. Bon, bah, dis-moi où ils sont. Mais ils sont armés, ils vont pas te lâcher. Bah, on s'en bat les couilles. Ok, bah là, c'est. Bah, là, c'est tout droit. D'accord. On va aller chercher ma moto, tu vas venir sur ma moto. Et y'a un de tes gars, y'a un mec que je connais, il a volé la moto, ils veulent se venger sur moi. Ah bon? À gauche, oui. Attends, je vais prendre ma moto, ça va aller plus vite. Bah, qu'est-ce que tu fous là? Eh, hey, Nash. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital, toi? Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Mais c'est pas moi qui ai ta moto, putain. Bah non, la moto, elle est là. Bah oui, il te l'a volé, le mec. Ah, mais c'est toi qui l'avais volé, sale bâtard. Mais non, n'importe quoi, tu t'es trompé avec un autre. Touche pas au petit, là, s'il te plaît. Il est où? Ils sont où tes amis? Ils m'ont volé 60 000 $. Comment ça? Quels amis? Il m'a fouillé, ils m'ont pris 60 000 $ et mon couteau. Appelle-les, s'il te plaît. Il est là, le petit nain, là. Avance. Oh merde, désolé. Mais comment il t'a pris 60 000 $? Il m'a pris 60 000 $, lui. Attends, lequel? Lui, le mec là-bas. Lui.
T'as pas pris 60 000 $, je t'ai pris 500 $. Non, t'as pris 60 000 $. Gros, la vie de ma mère, je t'ai pris 500 $. Regarde, fouille-moi. Clad, il est riche, de toute façon. Non, ah, par contre, j'ai 5 000 et ça, c'est les miens, mais j'ai pris 500. Eh bah, j'ai juré que tu m'as pris 60 000 $ et je vais le dire à Ricky. La vie de ma mère, je t'ai pris 500 $. Il s'appelle comment, lui? C'est Clyde. Clyde, ok. Clyde, tu m'as volé 60 000 $, t'es dans la merde, je vais le dire à Ricky. Qui a touché à mon petit, là? Soit tu me donnes, soit tu me donnes 20 000 maintenant, soit je vais voir Ricky et je lui dis que tu m'as volé 60 000 $. Mais rien du tout, je t'ai pas volé 60 000. Lui, il m'a volé 60 000 $. Cristal, je te jure, ma parole... T'es fort, t'es mort, fils de pute, t'es mort. Éclat, il est riche, il a pas d'envoi d'études. Ma parole, j'ai pas pris 60 000. Tu lui as pris combien? Je lui ai pris 500 $. Et je suis venu pour l'aider, en plus, Nash. Je suis venu pour aller l'aider. Ouais, mais moi, je parle pas de Nash, je parle du petit nain. Je vais le dire à Ricky. Donne-lui les 500 $. Donne-lui les 500 $. Calme-toi. Vas-y. Tiens. T'en bouge pas. Oui, tiens. Oh, j'ai vu tellement venir celle-là. Mais c'est pas ta voiture, tu t'en fous. Ah, je m'emballe. On se casse, il a plus de voiture maintenant. C'est quoi cette bagnole? Je sais pas, mais c'est... il a des vaches, je pense. J'sais pas, attends, mais tu vois la route là? Ouais, t'inquiète. Bon. T'es une poucave, je suis désolé. Je dois te laisser. Comment ça, je suis une poucave? Quoi? C'est quel genre de fils de pute? Nique ta mère! Pas le matin! Ouais! Oh, putain de sa mère, mais il est fou! Putain! C'est sur le pont là-bas, il a traversé le pont, ce débile! Ah ouais, merde! Je voulais le punir parce que c'est une poucave! Monsieur? Il m'a forcé à sauter par le pont, il m'a menacé, il m'a pris un otage. Mais comment ça je t'ai forcé? T'es un fou. Il fait partie des bikers, ils sont dangereux. Oui, je le connais, c'est Nash, ouais, je le connais. Ouais, il me connaît. C'est des bikers dangereux. Putain, Nash, qu'est-ce que t'as branlé? Comment ça? Mais j'ai rien vraiment fait. Vraiment, me fais la joie. C'est mon petit frère. Est-ce qu'on peut le récupérer? On l'emmène à l'hôpital. Vas-y, fais un truc, je te plante. Quoi? Oh, monsieur l'agent, je fais un truc, je te plante. Monsieur l'agent, je vous l'avais dit. Ok, pardon. Je suis un malade. Pardon, les gars. Attends, mais un aigle royal. Non, dégage. Je vais juste aider le monsieur qui est là. Je suis un malade. Rien à voir, posez-vous. Je suis un malade. J'ai pas toute ma conscience dans la Pas de soucis les gars, pas de soucis les gars. J'ai vraiment prenez pas votre toute ami, ma conscience dans ma tête. Je voulais juste... Vas-y, rentre dedans. T'es qui toi, putain? Quoi, c'est taré, là. Mais c'était une caméra cachée, souriez. Rentre dedans, putain, attends, démarre pas, rentre. Oh putain. Démarre. Mais j'ai rien fait, vous voulez me faire quoi? J'ai rien fait. Ta gueule, non, on est en train de te sauver la vie. Quoi? Mais vous êtes qui? Bah oui. Viens pas le mec que t'as rencontré avec Ricky tout à l'heure. John! Flop! Non, pas Flop, je suis en train de te sauver, Dobby! Putain, c'est John Flop! Avec l'autre. Le rappeur Clochard! Ouais, c'est ça, c'est nous! Let's go! C'est cadeau, s'il te plaît. Les gars, les bikers, ils veulent me tuer! Oh putain de merde! Oh putain! Oh putain, bon, à droite! Oh putain, non! Cazo, va falloir que on n'a pas la meilleure des caisses! Ok, à droite! Bordel! Putain! On est dans la merde! Putain! Cazo, c'est pas un rigolo! Fais confiance à Cazo! Les keufs, arrêtez-vous! Arrêtez-vous, les keufs! Putain, ils veulent pas s'arrêter, comment ça se fait? On est venu le sauver, on est gentil, on fait partie du secours populaire! On a des handicapés! Du secours populaire? C'est quoi ça? C'est en Turquie? C'est quoi le secours? On est en train d'aider les handicapés, monsieur la police, laissez-nous tranquille. Le sucre. Putain, si tu t'en sors, Cazo, je vais te faire percer, je te promesse. Ouais, les gars, sauvez-moi la vie, s'il vous plaît. Mais tu me feras percer, on essaie là, on essaie de faire quoi là? Tu me feras percer ou pas? Je te jure que tu feras percer, tu vendras plus que 50 Cent. Les gars, mais moi je veux que Ricky me fasse percer. Les gars, je vous jure que. Ricky, vous mettez bien. Ricky, il va nous faire percer, c'est ça le plan! Oui, mais là, si je vais en prison avec vous, Ricky va vous tuer! Bah non, on a essayé de te sauver, ça partait d'une bonne intention. Ah, mais ça, il peut pas le savoir. Bah, ça, c'est son problème, mais on lui expliquera. Arrêtez-vous, monsieur. Oh putain.
Non mais on peut pas s'arrêter, on doit y aller. Les gars, on vient d'arriver en ville. Arrêtez-vous les gars. Mais arrêtez-vous vous. C'est vous, vous devez vous arrêter. Ok, vous arrêtez, pendant 10 secondes et après on s'arrête. Arrêtez-vous. Non, j'ai ta... Cazo, non mais ça le fils de pute, viens de payer 25 000 $. Non, mais avant... Les gars, on doit... Les gars, faut qu'on trouve... Cazo, t'as pas une technique, t'as pas quelque chose? Ok, Cazo, avec cette voiture, je peux pas faire grand chose. Cazo, si on va... Si je suis enfermé... Si je suis enfermé, je vais mourir, putain. Non, je vous laisserai pas mourir. Ok, jette le camion dans l'eau, c'est pas grave. S'il faut que je prenne pour vous, je prends pour vous. Non, jette le camion dans l'eau, Non. Non, on va mourir, Non, vous savez nager. Ouais, mais il y aura trop de pression pour vous. Attends, je te mets une pause, c'est bon? Je te mets une pause. Vas-y, mets une pause, Vas-y. On a encore beaucoup d'essence, Cazo. Monsieur, vous avez aucune chance de vous échapper, monsieur. Si, on a une chance. Eh, je suis à deux doigts de sortir mon explosif, il va rien comprendre, lui. Non, fais pas ça, mec. Vas-y, va. Ok. Vas-y. Les gars, là, c'est soit on s'en sort, soit on est foutu, je vous le dis. C'est quoi? Ah bah merci, je pensais qu'il y avait une autre solution. Ah putain, t'es trop intelligent. Ouais, t'es vraiment malin. Cazo, si tu veux le mettre à l'eau, mets-le à l'eau, c'est pas grave, je me referai 25 000 $. Mais c'est à vous ce camion? On se refera. Ouais, je viens de l'acheter à l'instant. Mais t'es pas plus. C'est quoi ta position exactement? Va à la pause, t'inquiète, fais-moi confiance. Ouais, pose pas de questions et vas-y. C'est notre seul moyen de s'en sortir là. C'est qui ce gars en moto? Putain, c'est les bikers! Putain, mais elle est amoureuse de moi! Fuis là, elle aussi! C'est une biker! Elle est amoureuse de moi! Fuis! Je vais appeler le tueur de nains pour qu'il aille tirer sur la police! Putain, non! Ouais, le tueur de nains! Quoi? Il faut que tu tires sur la police! Quel tueur de nains? Tire sur la police! Attire la police! Ouais, on a besoin d'aide! Mais quel tueur de nains? Mais tu te fous de ma gueule? Non, nous on est venu te sauver justement, il y avait un tueur de nains. Tu te fous de ma gueule. Il voulait ta peau. Bah non, il a fait des annonces sur Twitter. Mais il va me tuer. Bah oui, mais justement, on est venu te sauver. Oh putain, Cazo, merde. Continue. T'arrêtes pas, justement, on est dans un camion solide. Ils vont essayer de te bloquer. Non, poussez-vous, putain. Oh, poussez-vous, bordel, y a plus personne qui sait conduire dans cette ville. Faut que je fasse quoi ici là? Faut que tu m'expliques. Vas-y, là, tu montes, tu tournes à droite et tu montes. On a une bombe dans le camion, on a une bombe. Il a une bombe dans le cul. J'ai un couteau. On a une bombe. Je vais lâcher la bombe, attention. Non, la lâche pas. Non. Allez, y'a plus le choix. Si vous continuez, je lâche la bombe. Attends, faut que je fasse quoi, mon gars? Les gars, ok. On va prendre le parachute et on doit s'en sortir. Non, il y a un parachute en haut de l'échelle. Il y a des voitures sur le parking au fond, il y a des voitures. C'est trop compliqué de faire ça. Si, on n'a pas le choix, La tête. Monte, Sion, arrête-toi! Mais non, c'était notre seul moyen! Mais c'était notre seul moyen! Envoie le camion dans l'eau! Non, ça sert à rien d'envoyer le camion ici parce que c'est. Mais tu veux rouler indéfiniment? T'as pas de. Mais c'est quoi le but? Ils vont nous rattraper H24, hein, ils ont des meilleures voitures. Fais demi-tour, retourne, je t'en supplie, retourne. Y'a un bateau! Quoi? Y'a un bateau! Vas-y! Y'a un bateau! Non, doucement! Doucement! Oh, oh là. Doucement! Let's go! Va! Mets-toi en marche arrière pour qu'on y aille direct! Non! Let's go! Conduis! Venez, grimpe! Allez, on m'abandonnez pas! Vas-y, fais! Cours! Vas-y! Tire-toi! Mais tu vas où? Mais recule, marche arrière! Allez, je dois faire une marche arrière! Vas-y, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Accélère! Oh putain, on va où? Oh merde! C'est un cul-de-sac! C'est un cul-de-sac, l'autre sens! Bah, on passe par de ce côté-là de la colline! L'autre sens! Tu penses qu'il y a encore de l'eau là-bas? Ah non, me dis pas ça! Me dis pas que ça, c'est un petit lac, c'est un cul-de-sac! Ah non! Avance! Ils sont que deux! Ok! Non, y'a pas d'eau, les mecs, ici! Oh putain, avance! Viens, on escalade la montagne à droite! Exactement, c'est ça que j'allais dire! Ils peuvent pas venir ici! On peut pas escalader la montagne, on va te laisser, les gars! Non, là, y'a un petit trou, y'a un trou! Non? Où ça? Non, c'est pas ici qu'il y a le trou!
Ok, descendez, descendez. Vas-y, on descend. Descendez. Descendez, je vais attirer leur attention, je vais attirer leur attention. Oh, le son. Venez, venez. Mais non, viens, par là, il y a un passage. T'es sûr, hein? Mais oui. Comment tu t'appelles, en fait? Dino. Donnie, putain. Dino. Non, on peut pas passer par là, on va glisser. On va passer par là. Retourne au bateau. Retourne au bateau, finis. Vite, retourne au bateau. Ah. 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 C'est le tueur de main, on se casse. Ils vont me tuer, ils vont me tuer, je t'en supplie, ils vont me tuer. Mais il fait quoi, John? Arrête-toi. Lève les mains. Oh non. Lève les mains. Moi je t'abandonne pas. Quelque chose. Non, mais on peut pas l'abandonner. On peut pas l'abandonner, toi t'as un truc. Il s'est fait braquer, j'ai rien, putain. Il doit être tout seul, ok? On va aller vers lui, on va attendre. Va vers les policiers, on dit qu'il se fait braquer, vite. Faut les utiliser, va vers eux. Le petit chemin d'eau là, il y a un petit chemin d'eau à gauche. Vas-y. Reste là, je vais leur dire. La police! L'homme là-bas, il se fait braquer par le camion! Il va mourir! Monte, t'inquiète. Quoi? Monte. Mais t'es qui, toi? Mais t'inquiète! On est vous? Ouais. Mais c'est vous qui braquez mon ami! Allez, monte, Nash. Allez, traverse. Montons. Les gars, montez. Non. Tiens-le en joue, Nash. Pourquoi traverser l'eau, cette débile? Allez, on a pas d'armes. Dans le coffre. Qu'est-ce que tu fais là? Mais il y a une place, c'est pas gros. Vas-y. Il est où le coffre? Ah non, il est là. Il est devant, les gars. Vas-y, on va l'aider. Non, mais il est avec nous là. Oui, je sais, on va l'aider. T'inquiète, on va partir. Mais les gars, vous l'avez de nos keufs? T'inquiète. Quoi? Mais non, t'inquiète. Mais si, il est avec les keufs! Non. Mais il y a ses potes avec lui. Mon ami. T'inquiète pas. Mais ils ont pas d'armes. Ah ouais, c'est moi ton pote ou pas? Mais oui, mais non, ils ont pas d'armes. Oui, mais on s'en fout de tes potes. Mais moi, je m'en fous pas. Nous, on veut toi, nous. Mais pourquoi vous me voulez moi? T'as pas eu l'impression de mettre un coup de couteau à quelqu'un de l'air? Hondo, quand on est un peu loin, tu t'arrêtes, ok? Ok. Vas-y, tu peux t'arrêter là en vrai. Non, attends, okay. Arrête-toi là, monte sur la colline. On le laissera là à pied. Vas-y, arrête-toi là, vraiment. Vas-y. Voilà. Je vais pas aller plus haut. Ah, putain, mais oui, c'est pas grave, prendre avant. C'est pas grave, vas-y. On est arrivé. C'est quand qu'on est arrivé? On est pas arrivé. Putain. Il descendu le tien. On est arrivé là. Il fait quoi, ce con? Vas-y. Arrête-toi. Laissez-moi. Arrête-toi ou je te tase. Mais lâchez-moi, pourquoi? C'est bon. Oh. Ramène-le en bas. Oh. Putain, mais. À l'aide. Allez, je te suis. Allez, monte. Ouais, ils s'en foutent. Arrête de le plaquer. Ils s'en foutent. Mais il est trop petit, ils l'ont pas vu. Allez, on le fait monter dans le coffre. Non, viens le laisse là. Non, plus loin. Ok, plus loin. Non, il se casse. Je vais tirer dessus. Il va mourir. Wouhou! Sors de là, le nain. Hein? Voilà, oh. Allez, sors de là. Voilà. Mais lève les mains. Porte-le. Vas-y. Porte-le. Voilà. Il a un couteau? Non, c'est moi qui l'ai. Attends, il a failli me la faire, lui. Je vais en détraquer. Attends, on va t'emmener loin, toi.
C'est bon, là, on l'a. Vas-y. T'en penses quoi, bordel? Ça porte bonheur, là. C'est bon, là. Ouais, c'est là. Putain, on l'a traqué. Il est dans le coffre, mets-le dans le coffre. Ça, il mais wesh. Il s'arrête jamais. Ah, 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 putain, mon épaule, sa mère. Tu l'as? Ça va, les gars? Aïe. Oh non. Putain. Je vais sur la banquette arrière. Mais moi, je vais être sur la banquette arrière. Foutez-le dans le coffre, lui. Eh ben, vous êtes full débile, hein. Oh, ça y est, je vais pas rester 100 ans à l'hosto. Hein. Psst, monte, 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 vite, monte, ah je t'aide à démarrer, monte, 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 monte. Mais quoi? Mais putain, j'ai cru que j'allais encore me faire soulever. Mais les bikers, ils veulent te tuer encore, là. Putain, vous avez réussi à vous en sortir? Vous avez réussi à vous en sortir? Ouais, 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 c'est bon, t'inquiète. Attends, monte. Attends, oula. Il est venu tout seul, j'espère. Oula, ils sont deux. Oulala. Non, monte, 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 monte. Pourquoi monte, monte? Comment ça, monte? Kazo, ah. C'est ton pote, il a dit Kazo. J'ai... Il a dit Kazo. Je les connais pas, je les connais pas. Il a dit, il est complètement con. Non mais eux, non mais eux, non mais eux, ils croient que nous on veut te soulever alors que nous on veut pas te faire de mal et eux ils veulent te faire du mal. Oh merde. C'est pour ça que j'ai dit, je les connais pas. Écoute, si je peux te dire la vérité. Quoi? J'ai dit à Ricky que t'étais un fils de pute. Mais pourquoi? Et que ta musique c'était de la merde et que j'avais envie de chier. Et que il faut... Et tu sais quoi, finalement je suis de ton côté maintenant, je vais faire en sorte que tu perces aussi. Merci, moi c'est Kazo et ça fait plaisir de faire ta connaissance. Mais je te jure que ce que tu fais c'est de la merde. Je suis désolé mais je vais tout faire pour que tu réussisses. La merde ça perce, t'inquiète généralement. Ouais, ah. En plus moi ce qui est bien c'est que je clash des gens. Et les gens ils répondent. Mais putain, mais pourquoi ils veulent te soulever? T'as fait quoi, biker aussi? J'ai volé une moto, après ils ont essayé de me rechoper, je les ai plantés, après il y a un mec qui a voulu. Faites vite, démarrez, ils arrivent. Ah ok, ok, ok. Ah merde. Non, grimpe dans la voiture, grimpe dans la voiture, grimpe dans la voiture. Dans la shop, on les brine, grimpe dans la shop, on les brine. À l'aide, il me kidnappe. À l'aide, il me kidnappe. T'inquiète, oh putain. Oh putain, mais j'ai plus mon couteau, ça me casse. C'est moi, ils vont s'excuser tous ces idiots. Bon, mais... vous êtes pas partis loin d'ici, bande d'idiots. Mais parce qu'on voulait te donner rendez-vous et on croyait que tu t'avais pris en otage. Ah non, non, ils m'ont pas pris en otage. C'est moi, je suis con en fait. Je voulais ouvrir une mauvaise position, mais au final, c'était la bonne. Comment ça, une mauvaise position? En gros, une position que Kazo m'a envoyé en message. Sauf qu'au final, j'ai ouvert la bonne. Je voulais prendre une mauvaise position parce que depuis tout à l'heure, je leur dis ouais, à droite, à gauche. Et là, ils savent que t'es de mon côté ou ils croient que. Bah là, maintenant que je pars avec toi, je crois qu'on est du même côté. Hein. Ouais, mais là, ton pote, il est dans la merde. Mais non, ils vont rien lui faire. Mais si, parce qu'ils l'ont cramé en train de partir avec moi en moto. Ouais, je sais, mais ils vont pas le foutre dans la merde. Tu veux qu'on y retourne? Mais t'as une arme? Mais là, on va. Non. Oh, bordel de merde. Pas mal la voiture, non? Elle est incroyable. San Andreas, c'est un jeu, ça, non? Bon, je sais pas. Ah, je demande. C'est où? Il est où? Il était où déjà? Il était là, tout droit, tout droit, tout droit. Ok, ouais, Kazo. Bah oui, je t'entends. Tu m'appelles au téléphone, trou du. Ouais, je vais t'envoyer une position tout de suite. Ouais. T'es tellement petit, ils t'ont pas vu. Arrête, putain. Arrête. Comme quoi ça sert des fois. T'es tellement petit, ils t'ont pas vu, wesh. Attends, jure. Ouais, c'est eux qui le cherchent. T'es tellement petit, ils t'ont pas vu. Ils ont cru que j'étais tout seul dans la voiture. Je me disais, ils sont bizarres, ils moi aussi, j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est pas eux en moto. Bah si, c'est eux qui devaient te tuer, frère. Putain. C'est eux les tueurs de nains. Mais ils t'ont pas vu parce que t'es nain. Ok, on va se mettre, je sais pas où on va se mettre.
Oh, ça t'a sauvé la vie. Je... On ira pas dire à Ricky qu'on a risqué nos vies pour non, toi. Non, 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 il va nous tuer tous les trois sinon. Je te le dis. Pourquoi? Parce que... Je peux pas te le dire, mais si je me river. Voilà. Non mais tu vas pas mourir, on vient de te sauver la vie. Oui, mais moi, si je... Oui, mais si il apprend que on a pris des risques ensemble, il va nous niquer nos mères. Ouais, mais nous, on a pris des risques pour toi. Et après, on va niquer les mères, oui, des mecs qui ont essayé de niquer ta mère. C'est vrai, c'est vrai. Je peux te dire la vérité? Ouais. J'ai dit à Ricky que ça puait la merde aussi. Et parce que lui, il le pense sincèrement, il l'aime pas. Et bah, tu sais quoi? Je vais t'aider à faire en sorte que Gazou il perce. Non, mais vas-y, on va essayer. Juste au moins pour demain le concert, t'as vu, faut qu'il il ait au moins un son. Ah ouais, juste demain, toi aussi, t'as pas trop envie de l'emmener au top. Levez les mains. Quoi? Non, je rigole. Oh putain. Attends, mais t'as pété leur caisse en plus? Ouais, je les ai baisés. Quoi? Bah quoi? Mais c'est des connards! Mais ils sont importants les mecs ou pas en vrai? Bah non, mais il y a des bikers fait, quand même. En fait. Mais tu sais qu'ils veulent te tuer. Hein. Je baisse. Ouais, pourquoi je sais. Ils me tuer? Pourquoi ils veulent te tuer? Parce que j'ai volé une moto au début, après j'ai réussi à m'enfuir, je les ai plantés. Après à l'hôpital, je fais une prise de catch et j'ai réussi à m'enfuir, j'ai volé leur voiture. Bah Kazo, tu sais qu'il y a un truc de fou qui s'est passé. Ils sont passés devant moi en moto. Ouais. Et ils ont cru que j'étais tout seul. Les bâtards. Genre vraiment ils sont passés là, tu vois là où t'es, ils sont passés là et ils l'ont pas vu. Et du coup bah ils ont continué leur route. Ouais, et faudrait qu'on s'assette une job comme ça là, comme t'as actuellement, comme ça tu peux poser le bras comme ça, t'as vu? Bah je l'ai acheté 70 000. Arrête de mentir. Mais t'es plein toi. Non je rigole, c'est un mec qui me l'a donné, un mec qui m'a braqué tout à l'heure. Tu te souviens là où il y avait le bateau? Ouais. Il y avait une camionnette blanche, bah ils m'ont braqué. Ouais. Et après il m'a donné une voiture, je sais pas pourquoi. Mais déjà, le bateau... Attends, je vais leur envoyer une fausse position. Le bateau, c'était incroyable. Dommage, c'était un lac. Hein. Ah ouais, le bateau, c'était... On aurait dit un film. De fou, sa mère. Je suis dégoûté. Par contre, le keuf, j'ai jamais vu un flic aussi naïf de ma vie. Hein. Pourquoi? Tu l'as dit? Je sais pas comment il a été recruté. Enfin, je lui ai dit que j'avais un masque parce que j'étais à une soirée déguisée. Et il m'a dit, ah ouais. Une soirée déguisée au milieu de la forêt, de la montagne. Ah, j'ai dit que j'aimais bien marcher en montagne et tout, et que j'étais à une soirée déguisée. Mais tu l'as fait menacer en couteau, avec un couteau quand même. Ah moi j'ai pas de couteau moi, c'est Kazo. Je sais pas comment ils sont sortis. Bon bref, je te dépose où pour aller dormir? Dépose-moi au casino. Non ben pareil, tu vas au quoi truc là, penthouse. Quoi? T'habites au penthouse? Ouais mec. Mais comment tu fais? Bah... Ah je fais hein, je peux pas t'expliquer toutes mes combines. Arrête de faire le mec mystérieux, t'as un ouf quoi. Tu gères des rappeurs qui font 50 ventes. 50 et un bon, voilà. Ouais, c'est vrai, j'étais généreux. Laisse aller dormir, mec. Bon, mon pote, bonne nuit. Dors bien, Cimer, on se pète. Attends, c'est quoi ton num? Je suis un ouf. 86-30, attends, je vérifie. Oh, t'as du mal ou quoi? Merde, c'est Donny. Vas-y, mon pote. Ah, c'est bon. Vas-y. Merde. T'es grand aujourd'hui, hein. Nique ta mère!